السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله يتولى الصالحين المخلصين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Amma ba'd. Le mois de Ramadan est, comme nous le savons tous, un mois béni, un mois qui regorge de bienfaits et de mérites. Mais ce sur quoi il se peut que nous soyons quelque peu distraits, c'est le fait de savoir que le mois de Ramadan est une madrasa. C'est une école. C'est une école. C'est une université qui dispense de nombreuses leçons. Et dans ces quelques cours, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons étudier ces différentes leçons et tenter d'obtenir notre diplôme. Non pas pour obtenir un poste dans ce bas monde, une élévation mondaine, mais plutôt obtenir une place chez Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Ainsi, notre cheminement vers lui et la demeure de l'au-delà ne sera que plus rapide et plus élevé. Le mois de Ramadan est un mois donc qui dispense des leçons, qui dispense des enseignements, tous plus importants les uns que les autres. Et il ne convient pas aux musulmans qui souhaitent le bien pour sa personne, pour sa famille, pour ses proches, de sortir du mois de Ramadan sans avoir acquis ces préceptes, sans avoir acquis cette science, sans avoir acquis ces nombreuses leçons. Et du début du mois de Ramadan jusqu'à la fin de Ramadan, il y a des leçons à tirer. Dans les journées du mois de Ramadan, comme dans les nuits du mois de Ramadan, il y a des leçons à tirer. Il ne faut donc pas sortir de ce mois, si ce n'est après avoir acquis ces nombreuses leçons. C'est donc une école d'éducation réellement et véritablement. Une école d'éducation bénie. Une école d'éducation dans l'adoration, dans le comportement, dans la mise en pratique de l'islam. Et cette école, avec ses leçons, tu ne peux la trouver nulle part, si ce n'est dans le mois de Ramadan. Et parmi les leçons que nous dispense le mois de Ramadan, il y a l'ikhlas, il y a la sincérité. Le fait d'adorer Allah Azza wa Jal seul, uniquement et sans associer. Le jeûne, c'est un lien solide entre le serviteur et son Seigneur. Personne ne peut voir et observer la réalité de ce lien, de ce jeûne. C'est la raison pour laquelle, dans le hadith Qudusi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « As-siyamu li wa ana ajzi bih » « Le jeûne est pour moi et c'est moi qui le rétribuerai. » Le jeûne est pour moi et c'est moi qui le rétribuerai. Il dit également yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli. Il délaisse sa nourriture, sa boisson et son désir pour moi. Ce terme-là, min ajli, pour moi, c'est ça la sincérité. Voici donc une grande éducation. Voici donc une grande leçon que nous dispense le mois de Ramadan. الإخلاص لله سبحانه وتعالى la sincérité envers Allah tabaraka wa ta'ala et ce dans toutes les œuvres et adorations. الإخلاص c'est tasfiyatul amal, c'est le fait d'épurer l'action, c'est le fait d'épurer l'action de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais l'adoration ne la faisant que pour Allah. Tu fais l'adoration, ne recherchant à travers elle que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cela,
Al-ikhlas, c'est le fait d'être loin de toute ostentation, de tout polythéisme, de tout partage dans cette adoration. Mais tu l'as fait exclusivement et uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ikhlas, c'est ce qu'Allah, c'est l'ordre suprême d'Allah dans le Coran. Il nous dit dans sourate Al-Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Il ne l'a cependant été ordonné que d'adorer Allah seul d'un culte sincère, d'un culte exclusif. Al-Ikhlas, c'est la religion qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit dans sourate Az-Zumar, أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ. N'est-ce pas Allah qui appartient à la religion pure? Al-Ikhlas, c'est la religion qu'Allah azzawajal a agréée pour ses serviteurs. Il nous dit dans le Coran, وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Et j'ai agréé comme religion pour vous l'islam. L'islam. Et l'islam est fondé et bâti sur l'istislam ou lillahi bit-tawhid, sur la soumission à Allah de par le monothéisme. L'islam, c'est la religion de l'ikhlas. C'est la religion de la sincérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète et messager de proclamer sa sincérité dans le culte de l'être adoré. Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي. En sourate Az-Zumar dit, c'est Allah que j'adore avec sincérité dans sa religion. Il lui dit également de dire dans sourate Al-An'am, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ. Dit, certes ma prière, ou certes mes prières, mes sacrifices, ma vie et ma mort, tout cela appartient à Allah, le Seigneur des mondes. Il n'a pas d'associé en cela. Et c'est ce qui m'a été commandé. Et c'est ce qui m'a été commandé. El-Ikhlas. Pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Pour cela, Allah tabaraka wa ta'ala nous a fait exister. Il nous dit dans sourate Al-Mulk, Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, wa huwa al-azizu al-ghafur. Celui qui a créé la mort et la vie, pour vous éprouver, voir lequel d'entre vous œuvrera au mieux, et c'est lui le puissant, le grand pardonneur. Ça, c'est dans Sourate Al-Mulk. Et dans Sourate Hud, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Dans Sourate Hud également, celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau, pour vous éprouver et voir lequel d'entre vous œuvrera au mieux, sera le meilleur en matière d'œuvre. Dans ces deux versets, on nous parle de la meilleure œuvre. On peut ajouter dans Sourate Al-Kahf, Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. À nouveau dans Sourate Al-Kahf, on nous dit pour vous éprouver, pour les éprouver, voir lequel d'entre eux œuvrera au mieux. Et Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, nous dit, وَلَمْ يَقُلْ أَكْثَرَ عَمَلًا بَلْ أَحْسَنَ عَمَلًا. Et il n'a pas dit celui qui œuvrera le plus, mais il a dit le mieux. وَلَا يَكُنُ الْعَمَلُ حَسَنًا حَتَّى يَكُنَ خَالِصًا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى شَرِيعَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et l'œuvre ne sera pas bonne tant qu'elle ne reposera pas sur la sincérité d'Allah et sur la législation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dès lors que l'œuvre est dénuée d'une de ces deux conditions, l'œuvre devient vaine. L'œuvre devient vaine. Sa parole s'arrête ici. Rahimahullahu ta'ala. Les gens de la sincérité sont l'assise
du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont la compagnie choisie par Allah azzawajal pour son messager. Dans sourate Al-Kahf, واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الله عز وجل dans ce verset ordonne à son prophète d'endurer avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, ne recherchant à travers cela que son visage. Allah Azza wa Jalla a ordonné au prophète alayhi salatu wa salam de prendre ces fréquentations-là, les gens sincères. Al-Fudal ibn Iyad, j'oubliais, concernant le verset, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, il a dit akhlasuhu wa aswabu, c'est-à-dire le plus sincèrement pour Allah et le plus en conformité avec la sunnah. Car si l'action est sincère mais pas en conformité avec la sunnah, elle n'est pas acceptée. Et si elle est en conformité avec la sunnah mais pas sincère, elle n'est pas acceptée. Il faut absolument qu'elle soit sincère et en conformité avec la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. Puis il a récité la fin de sourate Al-Kahf. قل إنما أنا بشر مثلكم. Dit, je ne suis qu'un humain comme vous. يوحى إلي. On me fait la révélation. C'est ça la différence. On me donne la révélation. أنما إلهكم إله واحد. Que votre divinité n'est qu'une divinité unique. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Quiconque espère donc la rencontre d'avec son Seigneur, qu'il fasse des œuvres pieuses et n'associe rien ou personne avec son Seigneur dans le culte. À la fin de ce verset, on a la sincérité et le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Allah tabaraka wa ta'ala a mis comme exception à la perte et à l'anéantissement les gens de la sincérité. Les gens sincères. Il nous dit subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Insan, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. Ou avant cela, إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ. Exception faite de ceux qui se sont repentis, ont réformé, se sont accrochés à Allah et ont été sincères dans la religion d'Allah. Voici les gens de l'exception. Sinon, la plupart des gens courent à leur perte. Comme Allah nous dit dans le Coran, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Par le temps, certes, l'homme est en perdition. Puis on a cité les caractéristiques des gens sauvés. Et parmi ces caractéristiques-là, il y a l'ikhlas. Les gens de la sincérité sont ceux qui ont reçu les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au point qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait vanté la pureté de leur cœur à travers leur intention, leur sincérité. Il nous dit tabaraka wa ta'ala wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wa la shukura. Ils nourrissent, malgré leur amour pour ces choses-là, le pauvre, l'orphelin et le joug. Nous ne vous nourrissons que pour le visage d'Allah. Nous ne voulons de vous aucune récompense, aucune reconnaissance. L'imam, ou le mufassir Mujahid ibn Jabr, rahimahullahu ta'ala, nous dit, la parole, innama nut'imukum liwajhillah, nous ne vous nourrissons que pour le visage d'Allah, ça n'est pas ces gens-là qui l'ont prononcé après avoir fait cette bonne action. Mais c'est Allah Azza wa Jal qui a informé de leur pureté suite à leur acte,
C'est Allah Azzawajal qui a fait leurs éloges, afin qu'on puisse les prendre pour exemple. Al-Ikhlas, c'est la condition pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre acte d'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Inna Allah ta'ala yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisa wa btughiya bihi wajhuhu subhanahu wa ta'ala. Certes, Allah le Très-Haut n'accepte parmi les actes que ce qui est fait sincèrement à la recherche de son visage. À la recherche de son visage. Donc, l'action n'est acceptée chez Allah qu'avec la sincérité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imrin ma nawa. Les actes ne valent que par les intentions, et chacun sera rétribué selon son intention. Chacun sera rétribué selon son intention. Si l'action n'est pas faite sincèrement pour Allah, Allah ne l'accepte pas. Allah t'a créé, t'a orienté et t'a commandé de l'adorer seul d'un culte sincère. Et le serviteur adore son Seigneur et son Maître comme son Maître le commande. Et notre Maître est Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a commandé l'adoration qui est avec la sincérité. La sincérité, c'est la sagesse pour laquelle Allah nous a créés. Il nous dit dans son livre: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire, إِلَّا لِيُوَحِدُونَ, que pour qu'ils m'unifient. Et la base du monothéisme, c'est l'ikhlas, c'est la sincérité. C'est la sincérité. Et sans la sincérité, la personne perd tout. Et dans l'au-delà, elle n'a que le feu. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Quiconque désire ce bas monde et sa parure, nous lui accorderons selon ses actes et il ne sera en rien lésé selon ce qu'il faisait. Voici ceux qui n'auront aucune part dans l'au-delà si ce n'est le feu, et leurs œuvres sont vaines et tout ce qu'ils œuvraient est caduque. Il s'agit de la personne qui, à travers ses actions, ne recherchait que ce bas monde. Il n'a pas été sincère, il n'a pas recherché l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ikhlas referme encore plus de mérites que ça. Nous pouvons mentionner que Al-Ikhlas est la cause de la délivrance dans nos soucis, nos afflictions et nos problèmes. Abu Huraira ou bien Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma nous dit: j'ai entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: انطلق ثلاثة نفر من من كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله أو أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. Trois personnes parmi ceux qui nous ont précédés étaient en voyage. Et suite à une pluie, ils se sont réfugiés dans une caverne. Et lorsqu'ils sont entrés, un rocher est tombé et a obstrué la sortie de la caverne. Alors ils ont dit: rien ne vous sauvera de ce rocher si ce n'est l'invocation d'Allah avec vos œuvres pieuses. C'est-à-dire les actions que vous avez faites sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. فقال رجل منهم أن أمطعم يؤدي اللهم كان لأبوان شيخان كبيران. والله j'avais mes deux parents qui avaient atteint un âge avancé et je ne devançais jamais devant eux ni épouse
ni argent, ou ni famille, ni argent. Et un jour, je me suis reposé auprès d'un arbre, mais le sommeil m'a pris. Et cet homme-là avait l'habitude de traire ses bêtes et de leur apporter le lait. Et il ne devançait personne sur ses propres parts, de par sa piété, de par sa bienfaisance envers les parents. Et vous connaissez la grande place de la bienfaisance envers les parents. C'est une des meilleures œuvres. C'est la meilleure œuvre après la prière, obligatoire dans le hadith d'Abdullah ibn Saoud ou d'Abdullah ibn Omar dans le Bukhari. L'œuvre la plus aimée chez Allah, la prière à l'heure. Ensuite, au message d'Allah, la bienfaisance envers les parents. Et je me suis levé, j'ai pris le lait, et je les ai trouvés endormis. J'ai détesté les déranger ou les réveiller. Alors j'ai attendu ainsi. Alors j'ai attendu ainsi. Il est parti de bonne heure. Il s'est tenu debout alors que le récipient était dans sa main. Il a attendu qu'il se réveille jusqu'à ce que le fajr arrive. Ils se sont réveillés. Il leur a donné à boire, ils ont bu. Donc vous voyez qu'ici, il a enduré, il a patienté et il n'a préféré personne devant ses parents. Dans une autre version, alors que ses enfants attendaient, Naam est réclamé. Puis il a dit, Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtira'a wajhika fa'farrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra. Ou Allah, si j'ai fait cela sincèrement, ou bien à la recherche de ton noble visage, de ton visage, délivre-nous de notre situation en repoussant ce rocher. Elle s'est donc quelque peu déplacée sans pour autant leur permettre de sortir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le second a dit, j'avais la fille de mon oncle, qui était la femme que j'aimais le plus. Je l'ai voulu pour moi, mais elle se refusait. Jusqu'à ce qu'un moment de grande difficulté l'atteigne, de pauvreté, de faim l'atteigne, elle m'est donc venue. Je lui ai donné 120 dinars. En conditionnant qu'elle se donne à moi. Et dans cette difficulté, cette femme a cédé et faibli. Jusqu'à ce que je me retrouve sur elle, elle me dit, je ne te permets pas cela si ce n'est en droit de le faire, c'est-à-dire si ce n'est avec le mariage. Alors je me suis levé, je suis parti, alors que c'était la personne que j'aimais le plus, et je lui ai même laissé tout l'or que je lui avais donné. Puis il a dit, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtira'a wajhik fa'afruj 'anna ma nahnu fihi fanfaradat as-sakhra ghayra annahum la yastati'una al-khuruj minha. Puis cet homme a invoqué Allah par cette bonne œuvre, ce qu'on appelle le tawassul. Ô Allah, si j'ai fait cela à la recherche de ton visage, c'est-à-dire sincèrement pour toi, à la recherche de ton noble visage, délivre-nous et permets-nous de sortir. Le rocher s'est quelque peu déplacé, sauf qu'il ne pouvait pas encore, il ne pouvait tout de même pas sortir. Donc cet homme-là a invoqué Allah Azza wa Jal, le premier avec Birrul Walidayn, la bienfaisance envers les parents, le deuxième avec sa chasteté et le fait d'avoir peur d'Allah Azza wa Jal et ressenti sa surveillance, et la sadaqa, qui lui a laissé l'argent. Le troisième, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, Allahumma inni sta'jartu ujara, wallah, j'ai pris plusieurs employés. Wa a'taytuhum ajrahum, je leur ai donné leur salaire. Ghayra rajulin wahid, exception faite d'un seul homme. Il a laissé son argent, il est parti. Et moi, je l'ai investi et je l'ai fructifié jusqu'à ce qu'il fût abondant. Et après un certain temps, il m'est venu et a dit, Ya Abdallah, addi ilayya ajri, ô serviteur d'Allah, donne-moi mon salaire.
فقلت كل ما ترى من أجرك, tout ce que tu vois là est ton salaire. Il y avait des chameaux, des bœufs, des moutons et autres. L'homme lui a dit, ya Abdallah, la tastahzi bih, oh serviteur d'Allah, ne te moque pas de moi. Je lui ai dit, je ne me moque pas de toi. Alors il a tout pris. Il a tout pris sans rien laisser. L'homme a dit, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fi. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. Il a invoqué Allah par cette grande œuvre, et a dit, ô oh Allah, si j'ai fait cela à la recherche de ton visage, délivre-nous de ce dans quoi nous sommes. Et le rocher s'est déplacé, ils ont pu sortir et marcher. Qu'est-ce qui a sauvé ces trois personnes? Une grande œuvre basée sur quoi? Sur la sincérité. C'est la sincérité qui les a sauvés. À chaque fois, ils disaient, si Ya Allah, si j'ai fait cela sincèrement pour toi à la recherche de ta face, délivre-nous. Et ceci est un miracle. Et avec la sincérité, toutes les œuvres sont grandes. Regardez comment il a préservé l'amana, il a invoqué Allah Azza wa Jal par cela. Parmi les mérites de la sincérité, c'est que l'ikhlas, c'est l'essence même de la foi. L'ikhlas, c'est l'essence même de la foi. Dans le hadith de Abu Firas, un homme qui s'est converti a appelé le prophète alayhi salatu wa salam. Ou plutôt, naam, c'est Abu Firas. Abu Firas qui a dit, Nada rajulun faqal, Ya Rasulallah, mal iman, qala l'ikhlas. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam a dit aux compagnons, interrogez-moi sur ce que vous voulez. Alors un homme a dit, Ya Rasulallah, mal islam, qu'est-ce que l'islam? Il lui a répondu le fait de faire la prière, de s'acquitter de la zakat. Puis il lui a dit, Famal iman, qu'est-ce que la foi? Il lui a dit, l'ikhlas. Ça prouve que la sincérité, c'est l'essence même de la foi. Parmi les mérites du ikhlas, c'est une forteresse pour le cœur, ça le préserve de ses maladies. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme dans le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu dans le pèlerinage d'adieu, نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فرب حامل فقه ليس بفقيه ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن إخلاص العمل لله والمناصحة لأئمة المسلمين وجزوم جماعتهم فإن دعاءهم يحيط من وراءهم. Al-Bazzar, rahimahullahu ta'ala et autres, nous rapporte le hadith Abu Sa'id dans lequel le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit dans le pèlerinage d'adieu. Qu'Allah illumine la personne qui aura entendu ma parole, l'aura retenue. Et il se peut qu'un porteur de science ne soit pas savant. Trois choses suffisent aux croyants pour la préservation de son cœur contre la corruption. La sincérité dans ses actions pour Allah, le bon conseil envers les dirigeants musulmans et le fait de rester avec le groupe. Donc la sincérité, c'est une cause pour préserver le cœur. Parmi les mérites de la sincérité, c'est que c'est une cause pour obtenir le secours d'Allah Azza wa Jal. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit, Innama yansurullahu hadhihi al-ummata bi dha'ifiha wa bi da'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. L'imam al-Nasai rahimahullah ta'ala, il a basé dans le Bukhari, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah secourt cette communauté par leurs faibles, leurs invocations, leurs prières et leur sincérité.
et leur sincérité. On a déjà mentionné que parmi les mérites de la sincérité, il y a le fait que ce soit une cause, une condition pour qu'Allah accepte ton acte. Ya ayyuhan nas, akhlisu a'malakum. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala la yaqbalu min al-a'mal illa ma khalusa lah. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans un hadith qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit qu'il est celui qui se passe le plus d'associés. Puis il a dit: ô vous les gens, soyez sincères dans vos œuvres, car certes Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte comme œuvre que ce qui est fait sincèrement pour lui. Que ce qui est fait sincèrement pour lui. Aussi, le prophète alayhi salatu wa salam a été questionné au sujet d'un homme qui fait de grandes œuvres en recherchant la renommée. Qu'a-t-il comme récompense? Le prophète alayhi salatu wa salam a dit: la shay, il n'a rien. On lui a posé la question trois fois, il a répondu: il n'a rien. Inna Allah azza wa jal la yaqbalu min al-amal illa ma kana lahu khalisa wa btughiya bihi wajhu. Abu Daoud, An-Nasa'i et autres nous disent que le prophète alayhi salatu wa salam a été, ou plutôt a dit: certes Allah azza wa jal n'accepte comme œuvre que ce qui est fait sincèrement à travers la recherche de son visage. À la recherche de son visage. La sincérité, c'est ce qui compte par-dessus tout auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est l'endroit qu'il regarde de toi, le cœur. C'est l'endroit qu'il regarde de toi. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit: innama al-a'malu bin-niyya. Les œuvres ne valent que par l'intention. Wa innama likulli imrin ma nawa. Et chacun sera attribué selon son intention. C'est-à-dire que la considération de l'acte chez Allah se fait en fonction de l'état de ton cœur, l'état de ton intention. Est-ce que tu as recherché Allah à travers cette œuvre ou non? Ou est-ce que tu as recherché ce bas monde? Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit: inna Allah la yanzuru ila suwarikum. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وفي رواية: وأشار بأصابع إلى صدره وأعمالكم. Certes Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs. Il a montré avec ses doigts sa poitrine et a dit: et vos œuvres. Allah regarde vos cœurs et vos œuvres. Na'am, et l'endroit du cœur est la sincérité. C'est l'endroit de la sincérité. Al-ikhlas, ikhwat al-iman, la sincérité, mes très chers frères, c'est ce par quoi le serviteur obtient la réussite dans ce bas monde, obtient la réussite dans sa tombe, obtient la réussite dans l'au-delà. Rien ne pèsera plus lourd sur la balance du serviteur que la sincérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'on amènera un homme de la communauté le jour de la résurrection devant toutes les créatures. Et on lui déploiera 99 feuillets, chacun de ces feuillets à portée de vue, sera à portée de vue. C'est-à-dire vraiment, il renfermera énormément d'œuvres de péché. Puis on dira à cet homme: est-ce que tu renies une chose mentionnée ici? Est-ce que les scribes t'ont opprimé? Ils diront non. Il dira non au Seigneur. On lui dira: est-ce que tu as une œuvre à présenter? C'est-à-dire il va avoir le jugement, la balance. Est-ce que tu as une bonne œuvre à présenter? Il répondra non. Il aura peur, il répondra non. On lui dira: mais si, tu as une bonne œuvre et tu ne seras pas opprimé aujourd'hui. Alors on sortira une carte sur laquelle sera inscrite: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sur cette carte sera écrit: j'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah seul, son associé, et que Mohammed est son serviteur et messager.
Il dira, mais que pourra faire cette carte face à ces 99 feuilles? On lui dira, tu ne seras pas opprimé aujourd'hui. Alors on mettra les 99 feuilles sur un plateau de la balance. Et on mettra cette carte avec la parole du tawhid, de la sincérité, sur l'autre plateau. Et les 99 feuillets voleront en éclats. Naam, littéralement voltigeant. Et il n'y a rien de plus lourd sur la balance que le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il est bien connu, les savants disent, il est bien connu que tous les musulmans viendront avec la ilaha illallah le jour de la résurrection. Mais pourquoi lui a pu brûler avec cette carte ces 99 feuillets de péché? Les savants ont dit, de par la force de son intention, de par la force de sa sincérité, de sa véracité, Allah Azza wa Jalla lui a accordé ce haut rang. Avec la sincérité, tout ce que tu feras, tu en obtiendras la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu seras constamment dans le bien. Dans Sourate An-Nisa, Allah Azza wa Jal nous dit, La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas. Wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati Allah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Il n'y a pas de bien dans beaucoup de vos mesbahs, si ce n'est celui qui ordonne une aumône, un bien ou une réconciliation entre les gens. Et quiconque fait cela à la recherche de l'agrément d'Allah, on lui accordera une immense récompense. Avec la sincérité, tu obtiendras d'énormes récompenses, même dans les habitudes de vie et les choses du commun. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعل في امرأتك. L'imam al-Bukhari nous dit que le prophète alayhi salatu wa salam a dit, tu ne dépenseras aucune chose en recherchant à travers cela la face d'Allah sans qu'Allah ne te récompense. Jusqu'à la bouchée que tu mets dans la bouche de ton épouse. Ainsi, avec la sincérité, les œuvres du commun deviennent les plus grands biens que tu prépares pour le lendemain. On demande à Allah Azza wa Jalla l'ikhlas dans toutes nos œuvres. L'ikhlas rend immense les œuvres à hauteur des montagnes. Et à l'inverse, l'ostentation réduit à néant, en poussière, les œuvres, même si elles sont grandes et immense comme des montagnes. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. On avancera ce qu'ils ont fait comme œuvre et on rendra tout cela poussière éparpillée. Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala disait: رُبَّ عَمَلٍ صَغِيرٍ تُكَبِّرُهُ النِّيَّةُ وَرُبَّ عَمَلٍ كَبِيرٍ تُصَغِّرُهُ النِّيَّةُ. Il se peut qu'une petite œuvre soit rendue colossale par une bonne intention. Et il se peut qu'une grande œuvre, soit rendue infime et minime à cause de l'intention. À cause de l'intention. Naam. Et le hadith de la carte, hadith al-bitaqa, vient d'être mentionné. Cette sincérité, les pieux prédécesseurs l'avaient comprise. Et c'est pour cela que dans toutes leurs œuvres, dans toutes leurs actions, dans toutes leurs paroles, ils faisaient attention à la sincérité. Voici Zubayr ibn al-Awwam radiallahu anhu qui dit: Man istata an takuna lahu khabi'atan min 'amalin salih falyaf'al. Quiconque peut avoir une bonne action entre lui et Allah cachée, qu'il le fasse. C'est-à-dire des actions que personne ne connaît, ni même ton épouse qui dort avec toi, ni même ton enfant qui t'accompagne au quotidien, ni même ton meilleur ami que tu as régulièrement au téléphone et avec qui tu marches et tu manges. Tu dois restreindre certaines actions et personne ne doit les connaître. Pour t'en réjouir le jour de la résurrection et recevoir la récompense de celui et l'unique pour lequel tu œuvrais. Abu Al-Ali radiallahu anhu dit: قال لي أصحاب محمد les compagnons de Mohammed رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم disait
La ta'amal li ghayrillah, fa'ikila kallah ila man amiltala. N'agis jamais pour autre qu'Allah, sinon Allah t'abandonnera à ceux pour qui tu as œuvré. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu disait, la yaqillu amalun ma'a taqwa, wa kayfa yaqillu ma yutaqabbal. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu disait, aucune œuvre ne peut être minime avec la piété. Et comment une œuvre acceptée chez Allah pourrait être qualifiée de petite? Uthman ibn Affan radiallahu anhu disait, man amila amalan kasahu Allah rida'a, in khayran fa khayra, wa in sharra fa sharra. Quiconque fait une œuvre, Allah lui l'habille de son œuvre. Si c'est un bien, alors un bien. Si c'est un mal, alors un mal. Hamdoun al-Qassar, rahimahullah ta'ala, a été interrogé. Ma balu kalam al-salaf anfa'u min kalamina. Comment se fait-il que les paroles des pieux prédécesseurs soient plus bénéfiques que les nôtres? Il a répondu, li annahum takallamu li'izz al-islam wa ridha ar-rahman wa nahnu natakallamu li'izz an-nufus wa talab ad-dunya wa ridha al-khalq. Pourquoi? Car ils ont parlé pour la suprématie de l'islam, l'agrément du tout miséricordieux. Alors que nous parlons pour la suprématie de nos propres personnes, la recherche de ce bas monde et l'agrément des créatures. Les pieux prédécesseurs, leurs paroles étaient peu, mais très bénéfiques. Et les contemporains, leurs paroles sont multiples, mais il y a peu de bénéfices. Donc la première leçon que nous avons étudiée aujourd'hui, c'est la sincérité. Et cette leçon a été étudiée par les compagnons, par les pieux prédécesseurs. Elle a été assimilée, elle a donc donné les meilleurs fruits. Des fruits mûrs, des fruits à portée de main, des fruits prêts à la consommation. Ces fruits ont donné lieu aux meilleures paroles, aux meilleures actions et aux meilleurs siyam, aux meilleurs jeûnes. Le mois de Ramadan a donc de nombreuses leçons. La première que nous avons étudiée, et j'espère qu'elle a été assimilée aujourd'hui, est l'ikhlas. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى ونعوذ بك من فتنة الفقر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد ونقي قلوبنا من خطاياها كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء
فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر اللهم إنا نعوذ بك من شر ما علمنا ومن شر ما لم نعلم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم اشف مرضانا ارض المسلمين اللهم اشف مرضانا ارض المسلمين اللهم اشف مرضانا ارض المسلمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم تقبل منا صلاتنا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا قيامنا اللهم تقبل منا صدقاتنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولأمهاتنا اللهم اغفر لنا ولأمهاتنا اللهم اغفر لنا ولأمهاتنا والله أعلم وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Dans son noble livre, dans sourate Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne l'énorme grâce par laquelle il a comblé les croyants de par l'envoi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans la traduction des sens de ce verset, on nous dit « Allah a certes fait une grande grâce aux croyants lorsqu'il envoya parmi eux un messager issu d'entre eux. Il leur récite ces versets et les purifie, leur enseigne le livre et la sagesse, alors qu'auparavant, ils étaient dans un égarement évident. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu ou a été envoyé à une époque où les gens étaient dans un égarement profond et obscur. Dans des ténèbres, les ténèbres du polythéisme, les ténèbres de l'ignorance, les ténèbres de l'égarement, de la division et j'en passe. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam nous dit Allah a regardé les gens de la terre, il les a tous détestés. Si ce n'est une minorité parmi eux qui faisait partie des gens du livre, qui adorait encore Allah Azza wa Jal seul d'un culte sincère. Et lorsqu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a voulu illuminer de par sa grâce ce bas monde, il a envoyé le prophète Mohammed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam à l'ensemble des mondes en tant que miséricorde. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Ce prophète, alayhi salatu wassalam, nous est venu avec une législation complète, parfaite, une législation de miséricorde, de justice, de droiture, qui fait sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Il nous est venu avec l'islam. Cet islam repose sur 5 piliers. Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma nous dit « بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله
وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. L'islam repose sur cinq. Attester qu'il n'y a point de divinité réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, jeûner Ramadan et accomplir le pèlerinage à la maison sacrée pour celui qui en a la capacité. Et le jeûne du mois de Ramadan, c'est la période que nous vivons présentement. Ce mois béni, ce mois rempli de bienfaits émanant de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et ce mois renferme de nombreuses leçons. Et nous allons étudier en ce jour deux grandes leçons du jeûne du mois de Ramadan. Lorsque tu jeûnes, cher croyant, tu jeûnes dans un temps déterminé et tu t'abstiens de choses particulières et énumérées qu'on appelle les annulatives du jeûne. Car le jeûne, c'est une adoration que l'on voue à Allah, qui consiste à s'abstenir de manger, de boire et de commettre les annulatives du jeûne, et ce, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Dans le mois de Ramadan, le serviteur s'éduque à suivre le prophète alayhi salatu wa salam dans sa manière d'adorer Allah azza wa jal. Car lorsqu'il a dit « Ashhadu an la ilaha illallah », il a proclamé avec son cœur et avec sa langue que le culte, que l'adoration était exclusivement restreinte à Allah azza wa jal. Que c'était le droit d'Allah sur ses serviteurs. Qu'il allait toute sa vie adorer Allah Azza wa Jal seul d'un culte sincère et qu'il n'allait jamais partager le culte entre son Seigneur et les créatures. Et lorsqu'il a dit « Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah, il a proclamé avec son cœur et sa langue que c'était un serviteur qui n'allait pas l'adorer, mais un messager, il allait le suivre et lui obéir. Il allait le suivre et lui obéir. Il allait certifier tous ses dires. Il allait adorer Allah Azza wa Jal que comme il lui avait enseigné et transmis. Et dans le jeûne du mois de Ramadan, lorsque le serviteur prend le sahur, le repas d'avant le fajr, il le fait en suivant le prophète alayhi salatu wa salam. Et lorsqu'il mange des dattes pendant ce sahur, il le fait parce que c'est la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Et lorsqu'il va s'abstenir du fajr jusqu'au maghrib de manger, de boire et de tout ce qui annule le jeûne, il le fait en copiant le prophète alayhi salatu wassalam. Et lorsqu'il va rompre le jeûne en prenant des dattes fraîches ou sèches ou quelques gorgées d'eau, il va le faire en suivant le prophète sallallahu alayhi wasallam. Et tout ce qu'il fera dans les nuits de Ramadan comme salat ou taraweeh, dans les journées de Ramadan et les nuits, comme ad-du'a et autres adorations, comme sadaqat, comme la générosité et autres, il le fera en prenant exemple sur le prophète alayhi salatu wassalam. Ainsi, le jeûne du mois de Ramadan nous donne comme leçon ittiba'u nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa ta'assi bih, le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le fait de le prendre pour exemple. Et celui qui lit le Coran et lit la Sunna verra que beaucoup de textes sont relatifs à ce sujet immense. Qu'est-ce que la Sunna du prophète alayhi salat wa salam? La Sunna du prophète alayhi salat wa salam, كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. La sunna du prophète alayhi salatu wassalam, c'est tout ce qui fait référence et a été annexé au prophète alayhi salatu wassalam, comme parole, comme action, comme acquiescement, comme description physique ou comportementale. Dans le Coran, on nous enseigne que la révélation est de deux types. Il y a le Coran et il y a la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et en suivant ces deux choses-là, il y aura la sincérité et le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Et Allah a uni entre la sincérité et le suivi du prophète alayhi salatu wassalam dans plusieurs versets du Coran. Comme فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلِيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Et quiconque espère la rencontre d'avec son Seigneur, qu'il fasse de bonnes œuvres et n'associe personne dans le culte avec son Seigneur.
Aussi dans la parole d'Allah, Bala. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Falahu ajruhu inda rabbihi wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Quiconque soumet son être à Allah tout en étant bienfaisant ou en agissant avec excellence. Les savants disent, il y a ici, comme le dit Ibn Kathir, la sincérité du culte pour l'être adoré et le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala envoyait son prophète donc également avec la révélation, afin qu'il expose aux gens ce qu'il a voulu d'eux. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Et nous avons révélé sur toi le rappel afin que tu exposes aux gens ce qui a été révélé sur eux. Ainsi pourront-ils réfléchir. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes et les messagers avec cette mission, la transmission et l'exposer. Et en suivant le prophète alayhi salatu wassalam, on obtiendra la miséricorde d'Allah. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et obéissez à Allah et aux messagers afin d'obtenir la miséricorde. Et il nous a ordonné, tabaraka wa ta'ala, de revenir à sa tradition, à sa sunna en cas de divergence. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Et si vous divergez dans une chose, faites-la revenir à Allah, c'est-à-dire au Coran, et au messager, c'est-à-dire à sa sunnah après sa mort, et à lui-même de son vivant, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Donc la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam, c'est la seconde révélation après Al-Qur'an. Le suivi du prophète alayhi salatu wassalam est la preuve de la véracité de ton amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans sourate Ali Imran, il nous dit Jalla wa ala, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dit, si vous aimez Allah, suivez-moi alors, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur, très miséricordieux. L'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous dit, pour expliquer ce verset, هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله. Ce verset vient juger chaque personne qui prétend aimer Allah, sans être pour autant sur la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est menteur dans sa prétention, tant qu'il ne suivra pas la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la religion prophétique dans toutes ses paroles et dans tous ses états. Jusqu'à ce qu'il nous dise فَيَحْصُلُ لَكُمْ فَوْقَ مَا طَلَبْتُمْ مِنْ مَحَبَّتِكُمْ إِيَّا وَهُوَ مَحَبَّتُهُ إِيَّاكُمْ. Ainsi, vous obtiendrez au-dessus de ce que vous avez cherché, au-dessus de son amour que vous lui portez. Il s'agit de l'amour d'Allah pour vous-même. Et c'est encore plus grand que la première chose. L'amour d'Allah à votre égard est plus grand que l'amour que vous lui portez. Et certains sages disaient, « Laysa sha'nu an tuhib, wa innama sha'nu an tuhab. » Le but n'est pas que toi tu aimes. Tout le monde aime Allah. Le but c'est que lui t'aime. Barakallahu fikum. Le suivi du prophète alayhi salatu wassalam est la seconde grande obligation et la condition d'acceptation des actes d'adoration auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'on nous montre dans le Coran que c'est l'exemple suprême et c'est l'imam suprême, ce titre qu'on ne peut accorder à nul autre en dehors de lui, sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit dans sourate Al-Ahzab, « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous avez un parfait exemple à suivre en la personne du messager d'Allah. Pour celui qui espère Allah et qui espère la rencontre avec Allah, ou celui qui espère en Allah et le jour dernier et mentionne Allah abondamment. Ici, tout comme dans le Coran,
on nous enjoint le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Suivez ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur et ne suivez pas en dehors d'autres alliés. L'imam Ibn Jarir al-Tabari et autres ont dit, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Pareillement, dans la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam, on nous ordonne de nous cramponner à sa Sunna. Il nous dit alayhi salatu wassalam, comme le rapporte Ahli Sunan sauf al-Nasa'i, alaykum bi sunnati. Wa sunnati al-khulafai al-rashidin al-mahdiyin. Addu alayha bin nawajiz. Prenez soin de vous cramponner à ma sunna, ainsi qu'à la sunna des califes bien guidés, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Mordez-y à pleines dents. Le suivi du prophète alayhi salatu wassalam dans le comment de l'adoration d'Allah est une condition pour qu'Allah accepte nos œuvres d'adoration, nos actes d'adoration. En effet, Aïcha radiallahu anha nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Quiconque apporte une nouveauté dans notre ordre alors qu'elle n'en fait pas partie sera rejeté. C'est-à-dire celui qui adore Allah d'une manière qui ne nous a pas été enseignée par le prophète alayhi salatu wassalam, cet acte-là sera rejeté. Allah n'accepte pas l'acte d'adoration tant qu'il n'est pas sincèrement fait pour lui et en conformité avec la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. Avec l'obéissance à Allah, avec l'obéissance du prophète alayhi salatu wassalam, sache que tu es obéissant envers Allah azza wa jal. وَمَا يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ. Quiconque obéit au messager aura obéi à Allah. Et celui qui désobéit au messager doit savoir qu'il a désobéi au Seigneur des mondes Allah tabaraka wa ta'ala. Et les vrais croyants sont ceux qui croient au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, croient en ses dires, suivent ses ordres, délaissent ses interdits et adorent Allah azza wa jal que comme il nous l'a enseigné. Innama al-mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah et en son messager, puis n'ont aucun doute. Allah les a qualifiés cela de véridiques dans sourate Al-Hujurat. Donc si tu crois réellement au prophète alayhi salatu wassalam, tu dois croire en tous ses dires. Tu dois obéir en ses ordres, à ses ordres, délaisser ses interdits. Et tu dois adorer Allah azza wa jal qu'à la manière dont il nous l'a enseigné. وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Dans sourate Al-Najm, et il ne parle pas selon les passions, ça n'est qu'une révélation inspirée. Avec le suivi du prophète alayhi salatu wassalam, tu entreras au paradis. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, comme le rapporte l'imam al-Bukhari rahimahullah selon Abi Hurayrah radiyallahu anhu, toute ma communauté entrera au paradis sauf celui qui s'y refuse. قيل يا رسول الله وما يا أبا الفجوة مساج الله كي رفزره قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبا. Quiconque m'obéit entrera au paradis, quiconque me désobéit, voici celui qui s'y refuse. Allah Azza wa Jal nous a interdit dans le Coran de devancer le messager dans une croyance, dans une adoration, que ce soit par la langue, par les membres ou autre. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. Au début de sourate Al-Hujurat, ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager et craignez Allah. Avec le suivi du prophète alayhi salatu wassalam, tu obtiendras la guidée. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّي الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Allah Azza wa Jal nous dit, sur la traduction des sens de ce verset, ô vous les gens, je suis le messager d'Allah qui vous a été envoyé à l'ensemble.
Le message d'Allah, celui qui possède la royauté des cieux et de la terre. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est lui donne la vie et la mort. Ayez donc foi en Allah, en son messager. Le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles, suivez-le donc, ainsi obtiendrez-vous la guidée. Avec le suivi du prophète alayhi salat wa salam, tu as la guidée. Avec le suivi du prophète alayhi salat wa salam et son obéissance, tu obtiens l'énorme réussite. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Et quiconque obéit à Allah et à son messager et redoute Allah et le craint, voici ceux qui obtiendront l'énorme réussite. Avec la foi au message d'Allah Azza wa Jal, tu obtiendras l'énorme succès. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذي أنزل معه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Ceux qui ont eu foi en lui l'ont secouru, l'ont assisté, l'ont secouru, ont suivi la lumière avec laquelle il la lumière qui lui a été révélée ou qui a été révélé avec lui, voici ceux qui obtiendront l'énorme succès, la grande réussite. Avec le suivi du prophète alayhi salatu wassalam, tu obtiendras le pardon pour les péchés, le salut contre l'enfer. Et rappelle-toi la parole des djinns lorsqu'ils ont entendu la lecture du prophète alayhi salatu wassalam. Ils se sont convertis à l'islam. Et ils sont repartis en tant que prédicateurs à leur peuple. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يدي يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. Ils dirent: ô notre peuple, nous avons entendu une lecture, un livre qui a été révélé après Moussa, qui certifie ce qu'il y a devant nous, qui guide à la vérité sur le chemin droit. Ô notre peuple, répondez à celui qui appelle à Allah et croyez en lui, il vous pardonnera vos péchés. Il vous pardonnera de vos péchés et vous prémunira contre un châtiment douloureux. Ainsi, en suivant ce messager, en suivant le Coran, on te pardonnera de tes péchés et on te sauvera de l'enfer. Avec le suivi du prophète alayhi salatu wassalam, tu seras préservé de l'égarement. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Ya ayyuhan nas, inni taraktu fikum ma in i'tasamtum bih, falan tadillu abada kitab Allah wa sunnata nabiyyih sallallahu alayhi wa sallam. Ô vous les gens, j'ai laissé auprès de vous deux choses. Si vous vous cramponnez, vous ne vous égarerez jamais. Le livre d'Allah et la sunna de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ajoutez à cela que celui qui contredit la sunna du prophète, alayhi salatu wa sallam, Allah le menace de le faire tomber, ou Allah le menace de le voir tomber dans un grand trouble et de subir un châtiment douloureux. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que prennent garde ceux qui contredisent son ordre d'être touchés par un trouble ou d'être touchés par un châtiment douloureux. La personne qui rejette de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam ne cessera de polémiquer jusqu'à ce qu'elle tombe dans le shirk, wal'iyadu billah. Et les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, nous ont donné les meilleurs exemples de suivi, les meilleurs exemples de soumission, et leur biographie, leur histoire est étincelante dans ce sujet. Un jour, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, faisait le tawaf. Il a embrassé la pierre noire et a dit:
أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. عمر بن الخطاب a embrassé la pierre noire et a dit: Je sais pertinemment que tu n'es qu'une pierre. Ni tu n'as le pouvoir de nuire, ni d'être profitable. Et si je n'avais pas vu le messager, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais jamais embrassé. Alors le Khattab radiallahu anhu a voulu montrer que le fait de toucher, d'embrasser la pierre noire, c'est uniquement parce que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et la bénédiction repose dans cela. Le suivi du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et non pas que la pierre noire a le pouvoir de bénir qui que ce soit, d'élever qui que ce soit. Non, mais à travers le suivi du prophète, on obtient la bénédiction d'Allah Azza wa Jal. Les compagnons s'accrochaient à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et Abdullah ibn Abbas raconte qu'un jour le prophète alayhi salatu wassalam a vu un homme avec une bague en or. Alors il l'a pris, il lui a enlevé. Ou il lui a dit: est-ce que l'un d'entre vous ose mettre de la braise à son doigt, à sa main, par la suite, le prophète alayhi salatu wassalam lui a enlevé la bague et l'a jetée au sol. Les gens lui ont dit: prends ta bague et tire-en profit, parce que le prophète ne lui a pas interdit d'en tirer profit, mais de la porter, parce que l'or est interdit aux hommes de la communauté. Vous savez-vous ce qu'a répondu l'homme? Radiallahu anhu. Il a dit: la wallah, la akhudhuhu abadan wa qad tarahahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Non, par Allah, je ne ramasserai jamais cette bague alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a jetée. Allahu akbar. Ils arrivaient même à délaisser des choses qui leur étaient licites tellement ils suivaient le prophète alayhi sallatu wa sallam. Ils ont compris l'âme du suivi du prophète alayhi salatu wassalam, et que c'était le chemin de l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ont compris la parole d'Allah dans sourate Al-Ma'ida: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai accompli sur vous mon bienfait, j'ai parachevé pour vous votre religion, accompli sur vous mon bienfait, agréé comme religion pour vous l'islam. Imam Malik rahimahullah ta'ala disait: ce qui ne faisait pas partie de la religion hier n'en fera pas partie aujourd'hui. La religion est complète et parfaite. Ainsi, c'est interdit d'ajouter des nouveautés religieuses. Et avec la sunna, tu vas venir pallier également avec la sunna et les adorations que le prophète sallam a fait en plus des obligations. Tu vas venir pallier à tes imperfections le jour de la résurrection. Alourdir ta balance, entrer au paradis, éviter le feu. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit par exemple: Inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yawm al-qiyamah min a'malihim as-salah. La première chose sur laquelle seront jugés les gens en matière d'adoration, en matière d'acte, c'est la prière. Alors Allah dira aux anges, bien qu'il est plus savant: regardez la prière de mon serviteur. Est-ce qu'elle est complète ou incomplète? Si elle est complète, elle sera inscrite complète. Dans le cas contraire, regardez dans les actes de mon serviteur, est-ce qu'il a des actes recommandés? Alors on apportera s'il a des actes recommandés pour venir pallier à ses imperfections. Ici, vous voyez que le suivi du prophète alayhi salatu wassalam dans nawafil, dans les actes recommandés, sera une cause pour compléter ses actes d'adoration, alourdir sa balance, éviter l'enfer et entrer au paradis. Et une des pires choses, c'est l'innovation. Le fait d'adorer Allah Azza wa Jalla à la manière qu'il nous a pas enseigné, c'est un manque de respect envers Allah qui a légiféré. C'est un manque de respect envers le messager qui a transmis. Et il disait très souvent le Jumu'a: wa iyyakum wa muhdathatil umur fa innaha dalalah. Évitez les nouveautés religieuses, car c'est de l'égarement. C'est de l'égarement. Abdullah ibn Mas'ud nous disait: iqtisadun fi sunnah ahsanu min ijtihadin fi bid'ah. S'économiser dans la sunna est meilleur que faire des efforts dans l'innovation, rapporté par Al-Hakim dans le Mustadrak. Umm Habiba radiallahu anha, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, comme le rapporte Al-Bukhari, nous dit:
J'ai entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallam dire: Man salla thintayn asharata raka'a. Man salla thnatay asharata raka'a fi yawmin wa laylah bunya lahu bihinna baytun fil jannah. Quiconque prie 12 unités de prière par jour et nuit lui sera construit une maison au paradis. Ce sont les prières qu'on appelle sunan ar-rawatib. Deux unités avant l'obligation du fajr, c'est-à-dire après l'adhan. Quand on parle des rawatib, c'est après l'adhan, avant la prière obligatoire. Donc après l'adhan du fajr, deux unités avant la prière obligatoire. Après l'adhan du dhuhr, avant la prière obligatoire, quatre unités. Après le maghrib, deux unités. Après l'isha, deux unités. Ummu Habib, en ayant entendu ce hadith, a dit: Ma taraktuhunna mundhu sami'tuhun. Je ne les ai jamais délaissés depuis que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam les mentionner. Ibn Ambasa, qui a rapporté le hadith lui de Ummu Habiba radiallahu anha, a dit: Ma taraktuhunna mundhu sami'tuhunna min Ummi Habiba. Je ne les ai jamais délaissés depuis que je les ai entendus de Ummu, j'ai entendu ce hadith de Ummu Habiba. Amr ibn Aus a dit: Ma taraktuhunna mundhu sami'tuhunna min ibn Ambasa. Je ne les ai jamais délaissés depuis que j'ai entendu ce hadith d'Ibn Ambasa. Et Nu'man ibn Salim a dit la même chose pour Amr ibn Aus. C'est-à-dire tous les gens qui ont rapporté le hadith les uns des autres, une fois avoir entendu ce hadith, n'ont plus jamais délaissé Sunan al-Rawatib. Puisse Allah Azza wa Jal nous faire aimer la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam et l'appliquer. Voici un hadith qu'on vient d'entendre. Appliquons-le. Deux avant le fajr, quatre avant le dhuhr, deux après le maghrib, deux après l'isha. ولا حول ولا قوة إلا بالله ونسأل الله عز وجل التوفيق. علي بن أبي طالب رضي الله عنه était avec son épouse Fatima. Le prophète عليه الصلاة والسلام est venu les voir et leur a dit: ne vais-je pas vous enseigner une chose qui est meilleure que d'avoir un servant? Avant de dormir, dites Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois et Allahu Akbar 34 fois. Ali ibn Abi Talib a dit: Fawallahi ma taraktuhunna mundhu sami'tuhunna min Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: par Allah, je n'ai jamais délaissé ce dhikr depuis que je l'ai entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors le rapporteur du hadith lui a dit: wala yawm as-siffin, même pas le jour de la grande dissension. Il a répondu: même pas ce jour. C'est-à-dire même un jour où il y a eu une bataille, où il y a eu de grands troubles, je n'ai pas omis de prononcer ce zikr. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, depuis que j'ai appris ce hadith, na'am, à mon tour, je n'ai jamais délaissé ce zikr, sauf en m'endormant, yani en étant battu par mon sommeil. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Fadlan min Allahi wa ni'ma. Une grâce d'Allah et un bienfait d'Allah. Omar ibn Khattab radiallahu anhu dans le tawaf, mettant en pratique la sunna de ce qu'on appelle ramal, c'est le fait de marcher vite avec des pas proches. Les compagnons ont fait cela lorsque Kuffar Quraysh ont dit: vous arrivera les compagnons de Mohammed affaiblis par la fièvre de Yathrib. Ils sont faibles et ils sont. Le prophète a dit: découvrez votre épaule et hâtez le pas dans les trois premiers tours. Par la suite, la Mecque est devenue une terre d'islam. Alors certains ont dit: à quoi bon faire cette sunna vu que la situation ne s'y prête plus? Omar ibn Khattab radiallahu anhu a répondu à cela en disant: Lakinnahu shay'un fa'alnahu ma'a rasulillah. Mais c'est une chose que nous avons faite avec le messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Fa wallahi ma nuhibbu an natruka shay'an fa'alnahu ma'a rasulillah. Sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn Khattab radiallahu anhu a dit: mais c'est une chose que nous avons faite avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par Allah, nous n'aimerions pas délaisser une chose que nous avons faite avec
le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, regardez comment ils l'ont aimé, comment ils l'ont suivi, subhanallah, radiallahu anhum. Et celui qui s'éloigne de sa tradition, comme a dit le prophète alayhi salatu wa sallam, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي. Quiconque s'éloigne de ma sunna ne fait pas partie des nôtres. Ils l'ont tellement aimé qu'ils ont aimé ce qu'ils mangeaient. Un jour, un sahabi radiallahu anhu a mangé avec le prophète alayhi salatu wa sallam. Anas ibn Malik, comme le rapporte Imam Bukhari, était assis avec le prophète alayhi salatu wa sallam et mangeait. Et j'ai vu que le prophète alayhi salam suivait, si je ne me trompe pas, Dubba, c'est la courge, ce qui ressemble à la citrouille. Et dans le plat, il suivait la courge et en mangeait. Et vous savez que la sunna, c'est de manger devant soi, sauf que lorsqu'il y a différents quartiers dans le plat, de mets séparés. Ils ne sont pas répandus dans l'assiette comme une salade mélangée, mais plutôt, par exemple, les concombres à tel endroit, les tomates à tel endroit, et ainsi de suite. Là, tu peux suivre, na'am, ce que tu souhaites manger. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, suivait la courge. Écoutez ce que dit Anas ibn Malik. J'ai vu que le prophète, salam, suivait yatatabba'ud dubba. Et le mangeait. Et mangeait de ce mets-là. Fawallahi, ma ziltu ba'da uhibbu dubba. بعد إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أنس بن مالك رضي الله عنه nous dit par Allah je n'ai cessé après lui d'aimer la courge après que j'ai vu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم suivre la courge dans le plat. Et par Allah c'était un légume qu'on ne mangeait pas, c'est pas un légume qu'on a l'habitude de manger qui rentre chez nous les Maliens. Et depuis que j'ai entendu ce hadith, Alhamdulillah, j'ai suivi cela et j'ai aimé manger de cela. Comment vous pouvez expliquer que le goût de la personne, alors que c'est une chose très personnelle, puisse changer? C'est l'amour qui fait pencher les cœurs. Ils ont aimé le prophète alayhi salatu wassalam. À un point tel que lorsqu'ils voyaient un de leurs enfants faire une chose que le prophète avait interdite, ils lui disaient « ne fais pas ça ». Et s'ils le revoyaient faire cette chose-là, alors un état du cœur se soulevait, fût-ce à l'encontre de son propre enfant. Dans le hadith de Abdullah ibn Mughaffal, radiallahu anhu, il est passé près d'un homme qui jouait je ne sais pas si on peut appeler ça le lance-pierre. Il prenait des pierres, il les mettait entre ses doigts, et il jetait cela. Naam. Il jetait cela. Et il lui a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, yanha'an il-khadf. Il interdisait cela. Car ça ne tue pas le gibier, et ça peut crever, ça ne nuit pas à l'ennemi, ça ne tue pas le gibier, ça ne nuit pas à l'ennemi, et ça peut casser une dent. Et ça peut crever l'œil. Alors ne le fais pas. C'est-à-dire, tu contredirais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son ordre. Un jour, il l'a revu faire cette action-là. Il l'a revu faire cette action-là. Il lui a dit, Subhanallah, uhadithuka an rasulillah. Je te transmets que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela et tu recommences. Fawallahi la ukallimuka abadan. Je jure par Allah que je ne t'adresserai plus jamais la parole. Fahajarahu. Alors il l'a boycotté à tout jamais parce qu'il a contredit un seul hadith du prophète alayhi salatu wa sallam. Où sommes-nous des enseignements du prophète alayhi salatu wa salam? Un homme est venu à manger avec sa main gauche. Le prophète alayhi salam lui a dit, mange avec ta main droite. Il lui a dit, je ne peux pas. Il lui a dit, mastata'at, tu ne pourras plus jamais. Sa main s'est figée et il est resté paralysé. Il est resté paralysé. Allahu Akbar.
Rien ne l'empêchait d'obéir au prophète si ce n'est l'orgueil. Et tout comme les compagnons ont compris cela, ils ont transmis cet héritage aux pieux prédécesseurs. Abdullah al-Mas'ud qui nous dit « Tabi'u wa la tabtadi'u qad kufitum »« Suivez, n'innovez pas, cela vous suffira. » Et lorsque un homme qui s'appelle Uthman ibn Hadir est rentré chez Abdullah ibn Abbas, il lui a dit à Hussini, « Fais-moi des recommandations. » Il lui a dit « Alayka bi taqwallah wa l'istiqama wa tabi' wa la tabtadi'a rawahu ad-Darimi. » Observe la crainte d'Allah et la droiture. Et suis et n'innove pas. Suis et n'innove pas. Et parmi les plus grandes choses qu'on doit suivre, c'est la prière du prophète alayhi salatu wa salam. Et la prière en groupe, et la prière au masjid autant que possible. Abdullah ibn Saoud disait, « Man sarrahu an yalqa Allah ghadan musliman, falyuhafidh ala ha'ula'i salawati haythu yunada bihin, fa inna Allah shara'a li nabiyikum sunan al-huda, wa innahunna min sunan al-huda, wa law annakum sallaytum fi buyutikum kama yusalli hadha al-mutakhallif fi baytih, la taraktum sunnata nabiyikum, wa law taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. » Rawahu Muslim. Abdullah ibn Saoud radiyallahu anhu nous dit, celui qui aimerait rencontrer Allah demain en étant musulman, qu'il préserve ses prières où on l'y appelle, c'est-à-dire à la mosquée. Car certes, Allah vous a légiféré sur votre prophète les traditions de la bonne voie. Et elles font certes partie de la sunna, de la tradition de la bonne voie. Et si vous priez dans vos maisons, comme le fait celui qui fait défaut à la prière en groupe, alors vous délaisserez la sunna de votre prophète. Et si vous délaissez la sunna de votre prophète, vous vous égarerez. Rapporté par l'imam muslim. Délaisser la sunna, c'est dangereux. Délaisser la sunna, ça peut nous faire tomber dans l'innovation. Et tomber dans l'innovation, c'est un égarement évident. Kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana. Comme a dit Abdullah ibn Omar, toute innovation est égarement, même si les gens la voient comme étant bonne. Rapporté par Muhammad ibn Nasr al-Marwazi rahimahullah ta'ala fi sunna. L'imam Malik rahimahullah ta'ala disait, من ابتدع في الإسلام بدعة يرى حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة ثم تلا اليوم أكملت لكم دينكم. Quiconque innove dans l'islam puis prétend que c'est une bonne innovation aura prétendu que Mohammed a trahi le message, car Allah nous enseigne qu'il a complété la religion. Donc ceux qui ne faisaient pas partie de la religion avant n'en fera pas partie aujourd'hui. Apporté par Al-Shatibi dans l'I'tisam. الإمام أحمد رحمه الله تعالى جزاء أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة. الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى شرح أصول الاعتقاد أهل السنة نودي الإمام أحمد أدي les fondements de la sunna auprès de nous sont le fait de se cramponner à ce sur quoi étaient les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم et de les prendre pour exemple et délaisser l'innovation. Car toute innovation est égarement. Et l'imam al-Awza'i, rahimahullah ta'ala, disait à ses compagnons, إِذَا بَلَغَكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَدِيثٌ فَإِيَّاكَ أَنْ تَقُولَ بِغَيْرِهِ. Lorsqu'un hadith te parvient du messager d'Allah, صلى الله عليه وسلم, fais attention à ne pas dire autrement que cela. فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ مُبَلِّغًا عَنِ اللَّهِ تَعَالَى. Car certes, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم transmettait de la part d'Allah. Qui va oser contredire Allah عز وجل? Sufyan al-Thawri رحمه الله تعالى disait, إِنَّمَا الْعِلْمُ كُلُّهُ كُلُّ الْعِلْمُ إِنَّمَا الْعِلْمُ كُلُّهُ الْعِلْمُ بِالْآثَارِ. La science dans son entièreté, c'est la connaissance du hadith du prophète alayhi salatu wa salam. Et l'imam Malik rahimahullah ta'ala disait, ma minna illa raddun wa mardudun alayhi. L'imam Malik rahimahullah ta'ala disait, nous sommes tous sujets à la réfutation. On peut accepter de nous et être réfuté. Illa sahib hada al-qabr. Sauf l'homme qui est enterré dans cette tombe. Et il montrait la tombe du prophète sallam, c'est-à-dire, il était à Médine.
Pour finir sur cette leçon, Allah Azza wa Jal nous dit, Ya ayyuha alladhina amanu, istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Wa'alamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa kalbih, wa annahu ilayhi tuhsharun. Avec le suivi du prophète alayhi salatu wassalam, ikhwat al-iman, ikhwat al-iman, il y a la vie, la vraie vie. Allah nous dit dans son livre, sur la traduction des sens de ce verset, ô vous qui avez cru, et répondez à l'appel d'Allah et du messager lorsqu'il vous invite à la vie. Et sachez qu'Allah s'interpose entre la personne et son cœur, et que vers lui se fera votre rassemblement. Et vers lui se fera votre rassemblement. Après avoir vu la première leçon du jeûne, la sincérité, et adore Allah Azza wa Jalla seul d'un culte sincère, puis la seconde leçon, le suivi du prophète alayhi salatu wassalam, on verra demain, incha'Allahu ta'ala, j'avais prévu aujourd'hui, mais le temps est passé et je fus quelque peu long, donc reportons cela demain, incha'Allahu ta'ala, on verra la troisième leçon, qui est Al-Qur'an al-Azim. Le fait d'immensifier le Qur'an, de le lire avec abondance, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله أعلم وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا كلها وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا خطايانا وعمدنا وجهلنا وهزلنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وأنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من شر ما علمنا ومن شر ما لم نعلم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك بأننا آمنا بك وصدقنا رسولك واتبعنا هديه اللهم إنا نسألك بهذا الصيام اللهم إنا نسألك بتلاوتنا للقرآن وبقيامنا في الليل وبصلاة التراويح وبحبك يا ربنا يا رب يا رب أن تشفي مرضانا أرض المسلمين وأن تصلح أولادنا وزوجاتنا وأن تغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وأن تصلح ذرياتنا يا رب العالمين وأن تتقبل منا صيامنا وقيامنا صدقاتنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين
Allahumma aghfir li ummahatina, Allahumma aghfir li ummahatina, Allahumma aghfir li ummahatina. La ilaha illa anta subhanak, inna kunna min al-zalimin. La ilaha illa anta subhanak, inna kunna min al-zalimin. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an, Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an, Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an, min ahli Allah wa khassatih. Wa salli Allahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أنزل القرآن هداية للخلق. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين الذين عظموا القرآن. Toutes les louanges reviennent de droit Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a révélé sur son noble serviteur Al-Qur'an Al-Azim. Et on prie et on adresse nos salutations au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a dit: le meilleur d'entre vous est celui qui a mémorisé le Qur'an et l'a enseigné. Et qu'Allah soit satisfait des compagnons qui lisaient le Qur'an de jour comme de nuit. Sachez que le mois de Ramadan est un mois qui a un grand lien avec le Coran. C'est pour cela qu'il est surnommé le mois du Coran. Dans Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Le mois de Ramadan, celui dans lequel a été révélé le Coran en tant que guidé pour les gens. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donc informé de la spécificité du mois de Ramadan, non seulement avec le jeûne, mais également avec son lien, ou également avec le Coran. C'est le mois dans lequel le Coran a été révélé entièrement, il a bâti l'Izza au-dessus du ciel de ce bas monde. Et très nombreux sont les livres, ou bien nombreux sont les livres qui ont été révélés dans ce noble mois. Ça n'est pas une spécificité pour le Coran, mais c'est le mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala faisait sa révélation sur ses prophètes et messagers. Dans le Musnad de l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, le Mu'jam al-Kabir de l'imam al-Tabarani rahmatullahi alayhima, dans le hadith de Wathilat ibn al-Asqa' radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Unzilat suhufu Ibrahim awwala laylatin min shahr Ramadan. Les feuilles d'Ibrahim ont été révélées la première nuit du mois de Ramadan. وأنزلت التوراة لست مضينا من رمضان. Et la Torah a été révélée après six nuits passées du mois de Ramadan. وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان. Et les évangiles ont été révélés après 13 nuits passées du mois de Ramadan. وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان. Et les Az-Zabur, qui a été révélé à Daoud alayhi salam, a été révélé après 18 nuits passées de Ramadan.
وأنزل القرآن لـ14 خلت من رمضان. Et le Coran a été révélé après 14 nuits passées du mois de Ramadan. Ce hadith montre que le mois de Ramadan a une particularité et un lien très étroit avec la révélation des livres d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses prophètes et ses messagers. Et la première fois que le Coran a été révélé sur le prophète alayhi salat wa salam avec les premiers versets de sourate Al-Alaq, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, ça a eu lieu dans le mois de Rabi' al-Awwal. Mais avant cela, le Coran a été révélé entièrement dans le mois de Ramadan. Il a bayt al-izza min as-sama'i ad-dunya, au ciel de ce bas monde a bayt al-izza. Et cela a eu lieu Laylatul Qadr, la nuit de la destinée, la nuit de la grande valeur, une des nuits du mois de Ramadan. Dans Surat al-Dukhan, Allah Azza wa Jal nous dit, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Nous l'avons révélé dans une nuit bénie. Et dans Surat al-Qadr, Inna anzalnahu fi laylatil Qadr. Nous l'avons révélé dans la nuit de la destinée. Et Allah Azza wa Jalla dans sourate Al-Baqarah, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été révélé. Ces trois versets nous montrent que le Coran a été révélé dans une seule et même nuit, qui a été qualifiée de Mubaraka, béni, qui a été qualifiée de Dhatu Qadr, de la prédestinée de grande valeur. Et cela en une fois. Cela en une fois. Puis, il a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de l'ange Jibril alayhi salam qu'il a entendu d'Allah azza wa jal, le seigneur des mondes, durant 23 ans. Durant 23 ans. Comme l'a expliqué Abdullah ibn Abbas, et ses élèves après lui, comme Ikrima, radiallahu anhuma wa rahima. Ainsi, on a parmi les textes, unzila al-Qur'an jumlatan wahidatan ila sama'i dunya wa kana bi mawaqi'i nujum wa kana Allah yunziluhu ala rasulihi sallallahu alayhi wa sallam ba'dahu fi ithri ba'd. Sa'id ibn Jubayr, l'élève d'Ibn Abbas rapporte de lui, radiallahu anhuma, que le Coran a été révélé en une fois au ciel de ce bas monde. Puis il a été révélé au prophète, alayhi salat wa salam, partie après partie, selon les événements. Et pareillement, rapporte de Ikrima, radiallahu anhu, selon Abdullah ibn Abbas, أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة ثم قرأ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وقال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. Le Coran a été révélé en une seule fois au ciel de ce bas monde, la nuit de la destinée. Puis il a été révélé après cela, en une vingtaine d'années. Naam. Tout cela nous montre quoi? La grande valeur de ce mois, le mois de Ramadan, et son grand lien avec la révélation, particulièrement Al-Qur'an, Al-Azim. Nous vivons donc des jours bénis qui doivent être ou desquels on doit tirer une grande leçon. C'est donner extrêmement d'importance au Coran et de le lire avec abondance autant que possible. C'est un mois que nous devons immensifier ou plutôt vénérer à travers l'adoration, le jeûne du mois de Ramadan principalement. La prière principalement,
prière de nuit également, mais aussi avec la lecture du Coran. Avec la lecture du Coran. Et dans le hadith de Abdullah ibn Abbas rapporté par le Bukhari et Muslim, il y a clairement l'expression de cela. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارس القرآن ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود من خير بالخير من الريح المرسلة. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était la personne la plus généreuse. Et sa générosité atteignait son paroxysme lorsque Jibril le rencontrait pour lui lire le Coran. Et Jibril le rencontrait chaque nuit de Ramadan et lui enseignait le Coran. Le messager sallallahu alayhi wa sallam était alors plus généreux avec le bien que les vents envoyés. Cette communauté a été anoblie par Allah subhanahu wa ta'ala de par ce livre qu'il a révélé et de par cet islam qu'il a légiféré. Il nous a ordonné de nous réjouir de cela en nous disant قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ بِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Dis par la grâce d'Allah et sa miséricorde de cela qu'ils se réjouissent, c'est bien meilleur que tout ce qu'ils peuvent amasser. C'est bien meilleur que tout ce qu'ils peuvent amasser. Le Coran a de nombreux attributs. Il a été qualifié de béni. Il a été qualifié de azim, d'immense. Il a été qualifié de karim, de noble. Il a été qualifié de majid. Naam. Et celui qui l'étudie, le lit, le médite et l'applique, na'am, obtiendra, proportionnellement à sa mise en pratique du Coran et son application, na'am, de ses sens, de ses attributs. Et si le Coran est un livre de vie, plus particulièrement dans le mois de Ramadan, les musulmans se doivent de le lire, de le méditer davantage et de l'appliquer davantage. Et les pieux prédécesseurs avaient un lien particulier avec le Coran dans le mois de Ramadan. Al-Aswad rahimahullahu ta'ala lisait le Coran dans le mois de Ramadan 30 fois. Il le finissait toutes les deux nuits. Et Ibrahim al-Nakhai, rahimahullah ta'ala, faisait cela dans les 10 dernières nuits. Dans le cas contraire, il le lisait tous les 3 jours. Quant à Qatada, rahimahullah ta'ala, il le finissait une fois par semaine, en dehors du mois de Ramadan. Et dans le mois de Ramadan, il le finissait toutes les 3 nuits. Et dans les 10 dernières nuits, il le finissait toutes les nuits. Quant à l'imam al-Zuhri, rahimahullah ta'ala, lorsque le mois de Ramadan entrait, il disait son programme, فَإِنَّمَا هُوَ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ. Ça n'est que la lecture du Coran et le fait de nourrir les gens. Quant à l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il s'éloignait de la lecture du hadith, dont il était savant, et des assises
des savants dont il était friand. Et il s'adonnait entièrement à la lecture du Coran en prenant le mushaf dans ses mains. Il s'éloignait de quoi? Il s'éloignait de la lecture du hadith qui était plus cher à ses yeux que toute autre chose. On ne dit pas qu'il s'éloignait de la médisance, des mauvaises paroles, des péchés autres. Il était loin de cela. Il s'éloignait du hadith. Allahu Akbar. Pour s'adonner à la lecture du Coran. Et Sofiane al-Thawri, rahimahullah ta'ala, lorsque le mois de Ramadan arrivait, il délaissait les actes recommandés parmi les adorations et il se dirigeait vers la lecture du Coran. Et Qatada, rahimahullah ta'ala, étudiait le Coran dans le mois de Ramadan ou l'enseignait. Donc, de prendre soin du Coran par la lecture, la mémorisation, l'enseignement, l'apprentissage, le rappel, la méditation, son application, tout cela fait partie des choses que doit faire le musulman. Et plus particulièrement dans le mois de Ramadan. Et le fait d'être proche du Coran a de nombreux mérites. Avec cela, tu obtiens le fait d'être le meilleur. En effet, Othman ibn Affan radiallahu anhu rapporte, ou l'imam al-Bukhari rapporte que Othman ibn Affan radiallahu anhu a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné. Donc cette caractéristique d'être le meilleur est rattachée à quoi? Au Coran. Plus la communauté se rapproche du Coran, plus elle sera la meilleure. Et nous voulons tous être les meilleurs. Et pour ce faire, on a emprunté différents chemins. Mais où sont ceux qui font le plus d'efforts dans le Coran? Que ce soit leur personne, leurs familles, leurs enfants et autres. Wala hawla wala quwwata illa billah. Lorsque Othman ibn Affan a rapporté ce hadith, il a mémorisé le Coran et l'a enseigné. Celui qui a mémorisé ce hadith de lui-même a mémorisé le Coran et l'a enseigné. Et ainsi de suite. Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam, rahimahullah ta'ala, a mentionné dans son livre Fada'il al-Qur'an que Abdullah ibn Amr ibn As ibn al-As radiyallahu anhuma disait Alaykum bil Qur'an fata'allamuh wa 'allimuh abna'akum. Prenez soin du Qur'an, prenez ce Qur'an, étudiez-le, enseignez-le à vos enfants. Fa innakum 'anhu tus'alun, à son sujet vous serez interrogés. Wa bihi Tujzaun, et pour cela vous serez récompensé ou rétribué. Wa kafabi wa aidan liman aqala. Et il suffit comme exhortation à celui qui le médite. Et le musulman a d'énormes bénéfices en plus de cela à être proche du Coran, à le lire. Le Bukhari Muslim rapporte que Aïcha radiallahu anha a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, El mahiru bil Qur'an ma'a safari al kiram il barara, walladhi yaqra al Qur'an wa tata'ta'u fih, wa huwa alayhi shaq lahu ajran. Celui qui lit le Qur'an avec aisance et avec les nobles anges. Quant à celui qui lit le Coran en butant sur les mots avec difficulté, il obtiendra deux récompenses. Il obtiendra deux récompenses. L'imam Muslim rahimahullah ta'ala rapporte que Uqbat ibn Amir radiallahu anhu a dit
nous sommes sortis, ou bien le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti vers nous. Alors que nous étions dans un endroit. فَقَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ وَيَرْضُو كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانٍ أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ فَيَأْتِ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَيْنِ فِي غَيْرِ إِثْمٍ وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ. Les compagnons pauvres étaient dans l'endroit qu'ils avaient l'habitude d'occuper à la mosquée. Et le prophète alayhi salatu wassalam est sorti vers eux et leur a dit: qui aimerait chaque matin se rendre à Budhan ou à tel autre endroit, Al-Aqiq, puis revenir avec deux grosses chamelles bien grasses, sans avoir commis pour cela de péché ni coupé de lien de parenté? فَقُلْنَا كُلُّنَا نُحِبُّ ذَلِكَ. Nous répondîmes: nous aimerions tous cela. قَالَ أَفَلَا يَرْضُ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَتَعَلَّمَ أَوْ فَيَقْرَأَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ. L'un de vous ne va-t-il pas se rendre à la mosquée et lire ou apprendre deux versets? Cela sera meilleur pour lui que deux chamelles. Ou trois versets, cela sera meilleur pour lui que trois chamelles. Et quatre versets, cela sera meilleur pour lui que quatre chamelles. Et un nombre égal de chameaux. Il s'adresse à des gens pauvres. Et il leur montre que la vraie richesse, elle est dans le Coran. Et que c'est dans cela qu'on doit rivaliser. Donc si tu vas à la mosquée de bonne heure, et que tu lis des versets du Coran et tu tentes de mémoriser ces versets, c'est meilleur pour toi que de revenir avec les plus grandes richesses. Et il y a une grande bénédiction dans la lecture du Coran. Le prophète alayhi salatu wa salam dit, comme le rapporte l'imam Muslim selon Abu Umam al-Bahili radiallahu anhu, iqra'u al-Qur'an fa'innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'ani ashabi. Lisez le Coran, car il viendra en tant qu'intercesseur pour ceux qui le lisaient le jour de la résurrection. Le Coran intercédera en faveur de ses adeptes. Et dans le hadith de Nawas ibn Sam'an, il y a un ajout. Alladhina ya'maluna bih, kanu ya'maluna bih. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْقُرْآنِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا تُقَدِّمُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانِ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا. Le jour de la résurrection, on apportera le Coran. Ses adeptes qui le mettent en pratique dans ce bas monde, Al-Baqara et Al-Imran précéderont le reste. Et argumenteront en faveur de celui qui les lisait. Abdullah ibn Mas'ud, comme le rapporte l'imam al-Tirmidhi, nous dit que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasana, wal hasanatu bi ashri amthaliha. La aqulu alif la mim harf, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre la grande bénédiction qu'il y a à beaucoup lire le Coran. Car pour chaque lettre, tu es récompensé. Il nous dit: celui qui lit une lettre du livre d'Allah aura pour cela une récompense. Et chaque récompense sera multipliée par 10. Je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre. Mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Subhanallah. Pour chaque lettre lu du Coran, tu as cette grande récompense. Tu as cette grande récompense. Prends pour exemple Sourate al-Baqarah. Prends pour exemple Sourate al-Baqarah. Il y a 286 versets. Le nombre des mots de Sourate al-Baqarah, c'est 6144. Et l'addition de nombre de lettres, c'est 25613. 25613 récompenses
pardon, 25 613 lettres qui te seront multipliées par 10. Combien de récompenses si tu lis le Coran? Combien de millions de récompenses? Si tu prends juste Al-Fatiha, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ, c'est d'énormes récompenses. Ce sont d'énormes récompenses. Mais on ne s'en rend pas compte. Mais on ne s'en rend pas compte. Si tu prends Sourate Al-Imran ensuite, il y a 200 versets, 3503 mots, pour 14605 lettres. Combien de récompenses? Très rapidement, tu atteins le million de récompenses. Avec Al-Baqarah, plus d'un quart de million. Avec Al-Imran, plus de 140 000. Et ainsi de suite. Tu finis le Coran. Une fois, tu as plus de 3 millions de récompenses. Tu finis le Coran. Une fois, tu as plus de 3 millions de récompenses. Il y a 323 671 lettres, taqriban. Tu multiplies cela par 10, tu as 3 236 000. À plus de 3 236 000 récompenses. Chaque lettre que tu vas lire du Coran, Allah Azza wa Jal te la multiplie par 10. Que dire alors de celui qui a pour habitude de lire le Coran? Quotidiennement, il lit le Coran. Quelle sera donc sa récompense? Quelle sera donc sa récompense? Cette chose est simple, met tawfiq wa aziz, mais la réussite, ce n'est qu'Allah Azza wa Jal qui peut l'accorder. La réussite, ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut l'accorder. D'autres textes encore nous vantent les mérites de la lecture du Coran. Al-Quran al-Azim, c'est la parole d'Allah. Kalam Allah, ghayru makhluq, c'est une parole incréée. C'est lui qui a parlé de par le Coran. Il l'a fait entendre à Jibril alayhi salam, l'ange de la révélation, qui lui-même est descendu sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cela te suffit pour vénérer le Coran, car c'est la parole du Seigneur des mondes. Dans Surat al-Sajda, Allah nous dit Tanzilul kitab la rayba fihi min rabbil alamin. La révélation du livre au sujet duquel il n'y a aucun doute émanant du Seigneur des mondes. Dans Surat al-Baqarah, ذلك الكتاب لا ريب فيه. Voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Dans Surat al-Shu'ara, وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. C'est certes la révélation du Seigneur des mondes. Donc le Coran, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Allah Azza wa Jal a appelé le Coran la parole d'Allah. Et cela te suffit pour connaître la valeur du Coran. Car comme il fut dit, la suprématie du Coran par rapport aux autres paroles est semblable à la suprématie d'Allah au-dessus de ses créatures. Le Coran a un mérite tellement colossal que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit la hasada illa fi ithnatayn. Il n'y a pas de jalousie à voir si ce n'est dans deux choses, d'envie à voir si ce n'est dans deux choses. C'est-à-dire la ribta. On n'a pas à
souhaiter être à la place d'une autre personne, si ce n'est dans deux cas. Le premier, رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم آناء الليل وآناء النهار. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. Un homme à qui Allah a donné le Coran, alors il le récite de nuit comme de jour. Et un homme à qui Allah a donné de l'argent, il le dépense de nuit comme de jour. On ne doit pas souhaiter être à la place de quelqu'un si ce n'est ces deux cas-là. Parmi les mérites de la lecture du Coran, comme le rapporte Abdullah ibn Amr ibn As radiallahu anhu dans le recueil d'Abu Daoud radiallahu anhu wa rahimah, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Yuqalu li sahibi al-Qur'an, iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. » On dira à l'adepte du Coran, lis, élève-toi et psalmodie comme tu le faisais dans ce bas monde. Ta place sera au dernier verset que tu auras récité. Ainsi des savants disent les degrés du paradis sont semblables au nombre de versets du Coran. Plus tu liras de ce que tu auras mémorisé appliqué, plus tu seras élevé dans les degrés du paradis. Et Abu Umama, radiallahu anhu, disait, ihfadhu al-Qur'an, mémorisez le Coran, fa inna Allah la yu'adhibu bin nar qalban wa'a al-Qur'an. Allahu Akbar. Abu Umama al-Bahili disait, mémorisez le Coran, car certes Allah ne châtiera pas avec le feu un cœur qui a mémorisé le Coran. Rapporté dans Sharh Sunnah de Al-Baghawi. Et Khabbab ibn al-Arat, radiallahu anhu, disait, تقرب إلى الله ما استطعت. Rapproche-toi d'Allah autant que possible. فإنك لن تتقرب إلي بشن حب إلي من كلامي. Et sache que tu ne te rapprocheras pas de lui par une chose plus aimée auprès de lui que sa parole. Allahu Akbar. Rapporté par Al-Baghawi dans Sharh al-Sunnah. Et Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala disait فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على عبادي. Le mérite du Coran sur l'ensemble des paroles est semblable au mérite d'Allah sur ses serviteurs. Rapporté par Al-Baghawi dans Sharh al-Sunnah. Le Coran, c'est la balance sur laquelle on va peser nos êtres, notre foi et notre amour qu'on porte à Allah Azza wa Jal. Notre amour qu'on a de cette religion. De prétendre, d'avancer des prétentions, c'est facile et accessible à tout le monde. Mais la véracité s'observe lors de l'épreuve, lors du test. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu disait, comme c'est rapporté dans Sunna du fils de l'imam Ahmed rahmatullahi alayhima, من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله عز وجل فيعرض نفسه على القرآن. Celui qui veut savoir est-ce qu'il aime Allah Azza wa Jal véritablement, qu'il expose sa personne au Coran. فإن أحب القرآن فهو يحب الله عز وجل. فإنما القرآن كلام الله عز وجل. S'il a aimé le Coran, alors qu'il sache qu'il aime Allah Azza wa Jal, car le Coran n'est que la parole d'Allah Azza wa Jal. أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. Voici ce que nous dit Allah dans sourate Yunus. Ô vous les gens, vous est venue une exhortation de la part de votre Seigneur et une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines, une guidée et une miséricorde pour les croyants. Dans sourate Al-Isra, wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimin illa khasara. Et nous révélons du Coran sans quoi il y a une guérison, une miséricorde pour les croyants. Et cela ne fait qu'ajouter aux injustes en perte. Donc le Coran, c'est la meilleure exhortation. C'est l'exhortation d'Allah, le Seigneur des mondes. Le Coran, c'est la meilleure guérison
mais il faut le bon médecin. Avec le Coran, tu peux tout soigner. Toute maladie. Le Coran, c'est la meilleure guidée. Le Coran, c'est une miséricorde pour les croyants. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat al-Isra, Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de meilleur. Il guide vers ce qu'il y a de meilleur et annonce la bonne nouvelle aux croyants qui font de bonnes œuvres, qu'ils auront une grande récompense. Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges de ceux qui donnent le droit à cette lecture. Alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ceux à qui nous avons donné le livre, qui le récitent comme il se doit, ceux-là y croient. Et ceux qui n'y croient pas sont les perdants. Le lire comme il se doit, les savants disent que ça comprenait plusieurs choses. Premièrement, la science du tajwid, le fait de sortir chaque lettre de son endroit convenablement. De le lire, de le mémoriser. Deuxièmement, de le méditer. Allah Azza wa Jal nous dit « أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا أَمْ لَمْ يَتَدَبَّرُوا الْقَوْلَ » Ne vont-ils donc pas méditer le Coran ou ont-ils des cadenas sur les cœurs? Méditer, c'est-à-dire chercher les sens, chercher à les comprendre, chercher à être touché par le Coran. Troisièmement, le mettre en pratique. Troisièmement, le mettre en pratique. El Hassan al-Basri disait, le Coran a été révélé pour son application. Les gens ont pris sa lecture comme application. C'est-à-dire qu'ils rivalisent de belles voix et de mais ils ne mettent pas en pratique le but ultime, sa mise en pratique. Allah Azza wa Jal nous montre la bénédiction du Coran et nous ordonne de le méditer, de l'écouter avec attention. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et avec cela, tu obtiendras la miséricorde. Et quand on récite le Coran, prêtez-lui l'oreille attentivement et observez le silence, afin que vous obteniez la miséricorde. Et Allah Azza wa Jal nous a décrit l'état de ceux qui écoutent attentivement le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum » وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur, ceux qui accomplissent la prière et dépensent de ce qu'on leur octroie. Voici les vrais croyants. Ils ont des hauts degrés auprès de leur Seigneur, un pardon et une noble subsistance. Ceux qui écoutent le Coran entretiennent l'arbre de la foi. Ils l'irriguent et l'arrosent régulièrement. La lecture du Coran, son écoute, sa méditation, son application, tout cela fait partie de la foi et en même temps de ce qui augmente la foi. Que ce soit dans la prière ou en dehors de la prière, dans la prière obligatoire ou dans la prière recommandée. Allah Azza wa Jal nous dit أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك
عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Accomplis la prière au déclin du soleil, jusqu'à l'obscurité de la nuit. Aussi la lecture de l'aube, car la lecture du l'aube a des témoins. Et de la nuit consacre une partie pour les prières recommandées, afin que ton Seigneur te ressuscite en une position glorieuse ou louable. Donc, un des meilleurs moments pour la lecture du Coran, c'est la prière obligatoire et la prière recommandée. Allah Azza wa Jalla a fêté les éloges, ô toi qui lis le Coran. Inna alladhina yatluna kitab Allahi wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur. Ceux qui récitent le livre d'Allah accomplissent la prière et dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué, espère ainsi faire un commerce qui ne périra jamais. Allahu Akbar. Dans ce verset, il y a de nombreuses leçons. Parmi les leçons, le fait que la lecture du Coran soit une adoration. Car vous n'êtes pas sans savoir que la lecture du Coran, ou plutôt les éloges d'Allah Azza wa Jalla en faveur de ceux qui lisent le Coran, prouve que la lecture du Coran est une chose aimée chez Allah. Et si elle est aimée, c'est qu'Allah Azza wa Jalla l'a légiféré et récompense pour cela. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla fait les éloges de ses serviteurs pour une action, une parole, c'est qu'il aime et agrée cette parole, cette action. C'est donc une adoration. Et ici, Allah Azza wa Jalla fait les éloges de ceux qui lisent le Coran. Deuxièmement, Allah Azza wa Jalla a juxtaposé la lecture du Coran de la prière. Et la prière, c'est une adoration connue de tous. Ainsi, la lecture du Coran fait partie des meilleures adorations chez Allah Azza wa Jalla. Troisièmement, on a cité al-sadaqat, al-nafaqat, le fait de dépenser pour Allah Azza wa Jalla. Tout cela est aimé chez Allah, tout cela fait partie des adorations. Et ces trois choses-là font partie des leçons du mois de Ramadan. La lecture du Coran, l'application de la prière, et al-sadaqat, comme on le verra, inshallah, dans les jours à venir. Un autre verset qui montre les effets de la lecture et de l'écoute du Coran sur les serviteurs pieux. Allah nazzala ahsan al-hadith, kitaban mutashabihan mathani. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء وما يضلل الله فما له من هاد. Allah fait descendre le plus beau des récits, un livre dont les versets se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Voici le guide d'Allah par lequel il guide qui il veut. Mais quiconque Allah égare n'a point de guide. Tu écoutes le Coran, les histoires se répètent. Mada, réciter ou raconter de manière différente. Il y a les versets sur la peur, sur l'immensité d'Allah Azza wa Jal, et cela suscite la peur et la frayeur. Puis il y a les versets sur le pardon d'Allah, sur sa miséricorde, sur le paradis, et cela amène la douceur du cœur et l'espoir. Il y a les versets sur la description d'Allah, sa beauté, sa perfection, sur les dons d'Allah, sa générosité et ses grâces, et cela développe l'amour. Ainsi, lorsque tu lis le Coran, tu passes par un panel de sentiments, de servitude, l'amour, la crainte, l'espoir, le désir, l'humiliation, le rabaissement, na'am. Et tout cela pour la parole d'Allah Azza wa Jal. Et les versets dans ce sens sont multiples. Et malgré la grandeur du Coran, malgré la lourdeur du Coran, on nous a facilité sa méditation. Et on en a fait une douceur. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ. En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ.
un livre que nous avons révélé sur toi, que nous avons rendu béni, afin qu'il médite ces versets et que les gens doués d'intelligence se rappellent. Allah Azza wa Jalla a ordonné sa lecture. Utlu ma uhiya ilayka min kitab. Wa aqimis min al-kitab wa aqimis salat inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Lis ce qui t'a été révélé du livre et accomplis la prière. Certes, la prière éloigne des turpitudes et du blâmable, et le rappel d'Allah est encore plus grand, et Allah sait ce que vous faites. Et Allah Azza wa Jalla nous dit warattil al-Qur'an tartila, et Psalm dit le Coran. Et nous sommes dans le mois béni de Ramadan. Et Allah Azza wa Jal nous a légiféré et nous a encouragé à salatu tarawih. Allah Azza wa Jal dit Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layl wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar. علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. Dans ce verset, on nous parle de la prière de nuit. Et certains savants disent que la prière de nuit était obligatoire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la traduction des sens, on nous dit à la fin, ton Seigneur sait, certes, que tu te tiens debout, moins de deux tiers de la nuit ou sa moitié ou son tiers, de même qu'une partie de ceux qui sont avec toi. Allah détermine la nuit et le jour. Il sait que vous ne serez jamais passé toute la nuit en prière. Il a usé envers vous d'indulgence. Récitez donc ce qui vous est possible du Coran. Il sait qu'il y aura parmi vous des malades et d'autres qui voyageront sur la terre en quête de grâce d'Allah. Et d'autres encore qui se lanceront dans le chemin d'Allah. Récitez donc ce qui vous sera possible. Accomplissez la salat, acquittez la zakat et faites à Allah un prêt sincère. Tout bien que vous vous préparez, vous le retrouverez auprès d'Allah, meilleur et plus grand en fait de récompense. Et implorez le pardon d'Allah, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, « Man qama ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. » Quiconque prie les nuits de Ramadan avec foi et espoir, se verra pardonné l'ensemble de ses péchés. Et cela fera l'objet d'une future leçon. Wallahu a'lam wa sallillahumma wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا وسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا ربنا اجعلنا لك شاكرا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا لك مخبتا إليك أواها منيبا
ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد لساننا واهدي قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن عوراتنا روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك بعظمتك أن نغتال من تحتي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. والله أعلم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.